Les autorités congolaises, pas inquiètes de la sanction américaine contre le général Célestin Kanyama, chef de la police de Kinshasa, accusé de violence contre des civils. C'est en substance ce que semble dire Kikaya Bin Karoubi, principal conseiller diplomatique du président Joseph Kabila. Dans un entretien à Jeune Afrique, il a affirmé que cette sanction n'a aucun impact sur la RDC qui, selon lui, va continuer à maintenir ses relations avec les États-Unis. Le diplomate trouve toutefois malheureuse la décision prise jeudi par le Trésor américain de geler les avoirs de l'officier congolais. Une mesure qui accentue la pression sur l'entourage du président Kabila pour l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin de l'année. Ce gel des avoirs du chef de la police de la capitale n'est sans doute que la première d'une longue liste de sanctions contre des proches de Joseph Kabila qui veut toujours s'accrocher au pouvoir alors qu'il a atteint la limite du nombre de mandats autorisés par la constitution congolaise.